président de la République alikuwa wajumbe wake hapa kusudi wakuwe na sisi hapa na wazindue cimetière inaitwa Genocost. Ile ndio tunaita memorial yetu kwenye tutakuwa tunazika wa victim wa barbaria wa Rwanda na wa M23. Ile memorial yetu itazindua hapa na ndio tutakuwa tunazika wa victim wetu wa agression. Tutaacha wa representant wa gouvernement national waliokuya na ujumbe ya rais wa republique watusaidie kwa yote watasema hapa kusudi tujue message gani rais aliwatuma nayo. Tunashukuru zaidi rais kuona kila muda wote kama tuko na shida anakuyaka hapa kukuwa pamoja na sisi. Labda wengi hawawezi kuelewa, lakini sisi tunajijua na tunajua nafanya nini kusudi amani irudi haraka hapa kwetu. Tunawashukuru. Nous allons dans quelques instants pour la dernière dernière de demain dans nos compatriotes, les victimes du bombardement des Pôles Kagame et de ces sujets de 23. Ces bombes, expressement orientées sur les populations civiles, regroupées dans la librairie des déplacés de Mugunga et de Chichala, ont ôté la vie à 35 personnes. La mort de ces anciens patriotes a bousculé la nation congolaise, toute entière, promettant ainsi la durabilité des personnes déplacées qui ont vu les abords incendiés et complètement détruits. C'est pourquoi, aussitôt qu'il est arrivé, les étrangers qui se sont à la mission officielle, le président de la République, chef de l'État, que Dieu m'amène à ma vie, qui a bénéficié de ses trois enfants, et à qui, pour des raisons psychologiques, on n'a pas encore annoncé la nouvelle de deux âmes, en attendant qu'ils se remettent de ses blessures. Cet amour bouleversant et traumatisant prouve la suffisance de niveau de cruauté et de culpabilité du Rwanda et de son chef. Il sera formidable, jour et nuit, pour que vous puissiez regagner des villages respectifs en tout temps.
sécurité. Ce moment de retour approche. Soyez convaincus. Chers parents, aujourd'hui, nous prenons la mort. Autant que les larmes coulent de nos yeux, autant que nous subissons un déchirement intérieur, autant que le président de la République, chef de l'État, et nous tous, ici présents, ressentons dans notre être profond votre souffrance. Quel sommeil réveille en nous une dynamique de solidarité nationale. Soyez plus rassurés que vous n'êtes pas seul dans cette vie de plein, et éprouvant. Chers frères et sœurs, membres de famille éprouvés, il est plus que certain que la barbarie et les actes criminels perpétrés par Kagame ne resteront pas impunis. Le Rwanda, principal auteur des bombardements du mouvement de Chagala, finira par répondre de ses actes répréhensibles devant la Cour internationale de justice pour avoir violé délibérément les dispositions pertinentes du droit international humanitaire en s'attaquant aux populations civiles innocentes et sans défense. Je vous avoue, chers frères, que le Rwanda le paiera tôt ou tard, car le sang des Congolais crie vengeance. Que la mort infligée à nos compatriotes cimente davantage notre unité nationale et notre vivre ensemble. Restons unis derrière le président de la République, commandant en chef des forces armées, pour goûter bien notre territoire, Kagame et ses respectifs de 2023, que Dieu nous protège. Message chez nous. En son nom, nous pouvons dire ceci. Que c'est avec un sentiment de tristesse et de révolte que nous prenons la parole devant cet auguste population traumatisée et en deuil, et qui, une fois de plus, pleure ses enfants tués, non par de maladies naturelles, mais par des bombardements, venus du camp des ennemis de la République soutenue par le Rwanda. Le 3 mai restera une journée commémorative et de recueillement en République démocratique du Congo, dans le monde Kivu et à Goma en particulier. À Goma, dans les camps de Kubunga. Nous parlons de cette population déjà fragile et vulnérables, vivant en enfer sur terre, parce qu'ils ont fui les villes et villages dans lesquels elles vivaient paisiblement depuis des siècles. Et c'est parce que le Rwanda et ses complices trouvent dans les sous-sols de leur résidence habituelle des sources abolées. Et à voler, même s'il faut tuer les êtres humains. D'où cette guerre impitoyable nous est imposée par ses voisins, quel est le Rwanda, depuis maintenant plus de 3 décennies. Oui, trop, c'est trop. Récemment, utilisant tous les moyens pour terroriser, exterminer et humilier les Congolais sans distinction. Enfants, femmes, hommes et vieillards, en procédant au recrutement des supplétifs, des patins, des marionnettes qui prétendent venir libérer un peuple qui ne cesse de vivre
à longueur de journée à travers un génocide dont les maîtres ont une grande expérience, voulant ainsi imposer leur jurisprudence à la République démocratique du Congo. Nous tenons, chers compatriotes du Nord-Kivu, à vous rassurer que personne ne permettra que ces aventures macabres et de mauvaises augures puissent rester impunies. Un génocide congolais pour des intérêts économiques, je n'en pense, et perpétré dans notre pays par le Rwanda. Ces crimes de guerre, comme celui du 3 mai, à Mugunga, des crimes contre l'humanité ont tous été documentés, en commençant par le rapport Mapping et plusieurs autres rapports locaux et internationaux pointent clairement la responsabilité du Rwanda pour leur agression en territoire congolais. Il reste les États-Unis dont nous saluons la véracité pour ce que quoi en ayant clairement dénoncé ces bombes venues du Rwanda. Au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui nous a délégué, nous tenons à réitérer ses condoléances, mais aussi à remercier en particulier les compatriotes habitants la partie est de la République qui se sentent beaucoup plus unis pendant ce moment de deuil et de recueillement. Ce qui nous amène à mieux comprendre en tant que nation que les complots du contre notre pays a pu faire la manifestation et que seule notre détermination à protéger l'ennemi hors du territoire national avec nos vaillants militaires nous fera respecter. Et c'est ici l'occasion pour nous d'encourager davantage nos vaillants à travers les commandants des opérations. La RDC ne peut pas ne pas condamner avec la grande énergie cette énième attaque du Rwanda en 10 ans. S'effectueront dans le cadre de l'implémentation du processus de justice transitionnelle dont le président de la République, chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait son cheval de bataille. Avec pour objectif principal de redonner de l'espoir à toutes ces victimes abandonnées, stigmatisées, violentées, qui sont parsemées dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Chères victimes, chers déplacés guerriers, les chefs de l'État ne vous oublient pas. Ils ne vous oublieront jamais. Nous, les institutions, d'essayer cet établissement public, de nos mêmes fonds d'arrêt. Donc, c'est ce même moment